m'appelle Anthony Albertazzi. Je suis technicien SAV dans une grande surface. Donc je répare principalement les ordinateurs et télévisions. Donc j'ai été embauché après avoir fait des études d'informatique. Donc c'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais c'est le premier boulot que j'ai trouvé, étant donné qu'aujourd'hui le monde du travail est de plus en plus compliqué. J'ai fait grève contre la loi El Khomri. La direction m'a bien fait comprendre que c'était un droit, mais il ne fallait pas le faire pour le bien de l'entreprise, parce que l'entreprise ne survivrait pas si on ferait grève, ce qui est complètement n'importe quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, même le droit de grève, on a beau dire ce qu'on veut, les politiques peuvent dire ce qu'ils veulent, mais même le droit de grève est remis en cause, mais au niveau de l'entreprise même. Donc c'est compliqué de faire grève, même aujourd'hui, même si c'est un droit, ça reste toujours compliqué. De pouvoir... Alors j'attends de ce congrès d'avoir une ligne claire vis-à-vis des élections de 2017, d'avoir un programme clair, des idées claires, parce qu'aujourd'hui rien n'est moins clair. Si on prend le texte du dernier congrès où on pensait encore pouvoir transformer la politique de François Hollande, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est plus possible. Donc il faut j'attends une ligne claire qui soit de gauche, mais éloignée du socialisme qui pour moi n'est plus un parti de gauche.